C'est assez difficile parce qu'il y avait une attirance qui n'était pas rationnelle parce qu'en fait je connaissais pas le corps. Et de cette idée d'aller chercher les bouquins, je suis parti d'une attirance pas irrationnelle parce qu'il y a des trucs derrière, mais en tout cas que complètement inconscient, ben, à l'apprentissage direct et presque anatomique en fait. Est-ce que tu sais comment ton corps va changer en grandissant? Bah, les boyaux, ils vont se remplir. Puis j'aurai des graines quand j'aurai 13 ans. Puis j'aurai des poils de zizi, une barbe, des poils dans le nez. Le visuel est une gravure à bois perdu, pour ceux qui connaissent. Donc on n'a qu'une seule plaque et toutes les phases, toutes les couleurs se font sur la même plaque. À la fin, il n'y a plus rien. Voilà. Il reste une ligne noire si on s'est bien débrouillé. Et pour ce qui est de la bande son, j'ai demandé à des gens de m'aider à parler alors du poulpe d'une certaine façon, puisqu'il représente pour moi tout ce qui est désir ou secret, questions cachées, sexualité. On s'est demandé aussi si on était mâle ou femelle, ou les deux, ou rien. On s'est posé ces questions-là. Il y a une vingtaine de personnes à peu près qui ont à l'époque, de 6 à 63, une vingtaine de personnes donc de tous milieux sociaux qui sont venues répondre à 8 questions. 8 tentacules, 8 questions. C'était quoi ces questions? Alors les questions, c'était... Déjà, on a défini quel mot on utilisait pour parler de sexualité. Je ne leur ai pas vraiment donné d'indication. Et ils sont tous partis dans leur liste de mots. Alors je leur avais demandé chronologiquement qu'est-ce qu'ils avaient appris en premier. Après, on s'est demandé si on était un homme ou une femme, biologiquement. Après, ils se sont demandé s'ils se sentaient... comment ils se sentaient. Est-ce que vous vous sentez masculin, féminin, neutre ou les deux? On a parlé beaucoup des stéréotypes aussi. Des stéréotypes qui avaient pu soit les agacer, soit les empêcher d'évoluer comme ils voulaient, ou qu'ils avaient envie de combattre, ou qu'eux-mêmes véhiculaient. Donc on a beaucoup parlé de ça. On a énormément parlé de transmission, c'est un sujet qui les a vraiment inspirés. Comment on accède aux informations sur notre corps? Alors notre corps, comment il va évoluer quand on est un enfant? Est-ce qu'on a su comment il allait évoluer et par quel biais? Est-ce que c'était les parents qui nous expliquaient ça, ou est-ce qu'il fallait aller chercher dans des livres? Est-ce que l'école a joué un rôle, ou est-ce que c'était plutôt une amie, une grande sœur? Donc chacun a apporté ses réponses là-dessus. On s'est demandé aussi ce que c'était que le désir. Alors est-ce que c'était gênant? Est-ce que c'était agréable? Comment il émergeait? Comment on savait qu'il était là? Est-ce qu'on acceptait celui qu'on reconnaissait chez l'autre? Voilà. Tous les désirs, et évidemment pas que les désirs sexuels, mais aussi le désir de vivre, d'évoluer, d'être. Et après, on a parlé un peu du secret et surtout de l'évolution de la sexualité et donc de soi-même. Comment est-ce qu'on fait pour être soi avec les billes qu'on a, c'est-à-dire toutes ces personnes étaient issues d'une même société, comme on a une plaque de gravure. Et après, on fait ce qu'on peut avec les incidents de la vie, avec le bagage qu'on a, les informations qu'on a eues, l'aide qu'on a pu avoir. Parce que nos parents nous expliquent peut-être comment on va évoluer notre corps ou ce que c'est que la sexualité, mais est-ce qu'ils nous expliquent comment on peut gérer une peine amoureuse, par exemple? C'était souvent non. Voilà, donc on se débrouille avec ça, avec les incidents de la vie, comme moi je me suis débrouillée avec les incidents de ma plaque. Et c'est ça qui fait qu'on est nous-mêmes et qu'on est beau et intéressant, c'est qu'on a vécu plein de merdiers et qu'on en a fait quand même nous-mêmes et que nous-mêmes c'est chouette. Donc est-ce que tu exposes? Enfin, tu fais c'est itinérant, tu exposes, tu fais des choses. J'ai la trimballe où on me demande de la trimballer. Alors à un moment j'ai prospecté, mais finalement les choses se sont faites plutôt naturellement. Donc je l'avais emmenée l'année dernière chez Doriane, à l'atelier du 31 d'été. C'était très chouette. On a écouté un morceau tous ensemble et puis après on a discuté. C'était vraiment, vraiment agréable. Après, ça a pu aller dans des lieux
plus normaux, on va dire. À Brest, c'est aller à la maison de la Fontaine. Du coup, c'est plus académique. C'est une installation classique. On rencontre un petit peu le public hein, quand même, mais pas sous cette forme-là. Enfin, il est allé un petit peu partout. Il est aussi allé dans des endroits où je l'avais conçu. Parce qu'à Brest, il a été fabriqué à l'APB et au Maquis. C'est deux lieux associatifs ou collectifs, selon le cas. Donc les restitutions se sont faites là-bas aussi. Wild Cause, qui est un lieu... C'est un lieu où on tisse des liens, voilà, qui accueille aussi des femmes en difficulté. Donc voilà, c'était plutôt... Et comment les gens réagissaient? En fait, ils écoutent et puis souvent après ils viennent me dire qu'ils se sont retrouvés dans telle partie de la bande-son ou qu'ils ont été étonnés par une autre partie, qu'ils n'imaginaient pas que ça puisse être comme ça pour d'autres. Et c'est ça qui est sympa en fait, c'est que on a l'impression qu'il y a les deux, voilà. Il y a en même temps se reconnaître soi et aller à la rencontre de l'autre. Et bon, ça c'était un pari. Je suis contente que ça se passe comme ça, que les retours se passent comme ça. J'ai jamais eu de gens choqués. Jamais personne n'est venu me voir pour me dire « Oh là là !» Parce que c'est pudique quand même. Les questions qui étaient posées étaient pudiques. C'était pas « Quelle est ta position sexuelle préférée et comment tu la pratiques ?» C'était vraiment « Comment tu t'es construit ?» Du coup, il n'y a pas de... Et est-ce qu'il y a une évolution possible dans son œuvre là, tu la prévois? J'aimerais bien. Alors, j'ai pas monté tous les chapitres déjà, et j'aimerais bien inclure des gens qui ont peut-être d'autres références culturelles, parce que là, c'est resté. Alors, c'est pas uniquement breton, Bretagne, mais c'est quand même assez français, donc un terreau judéo-chrétien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Yann. Donc, c'est la même. En même temps, c'est la même plaque, donc voilà, c'est la même société aussi. Mais j'aimerais bien étendre, poser les questions à des gens d'horizons différents. Ça me plairait bien. Et après, la suite, ça va être une méduse qui parle de vieillir bien, si possible, ou de rêver à l'éternelle jeunesse. Donc je vais poser la question à des médecins. Mais en même temps, cette bande-son, elle m'a donné d'autres pistes. Donc là, je suis en train de faire des gravures beaucoup plus petites, là, des pointes sèches. Et c'est des hybrides entre des animaux, des plantes, des êtres humains. Enfin, il y a un saint en forme de poire, et puis de temps en temps, il attrape des poils. Enfin bon, parce que comme il y avait une grosse partie de la bande-son qui était sur le genre, ça a donné envie à Edouard Nenet. On m'a exposé au cri suspendu, on m'a demandé un complément là-dessus. Et en fait, c'était super. J'ai l'impression que tes œuvres, tu les habites et qu'elles correspondent aussi à des questionnements que tu peux avoir sur toi. Oui, parce que, en fait, moi, ce que je peux apporter en tant que plasticienne, c'est juste admettre que j'ai des failles ou des questionnements, en faire quelque chose de concret, de palpable, si possible de positif, et de le proposer pour que d'autres personnes puissent se dire « Ah oui, mais moi aussi !» Et c'est exactement ça, la bande-son, c'est « Ah oui, mais moi aussi !» Et donc, je ne suis pas seule, et je ne suis pas le seul à me poser cette question qui me taraude, ou avoir vécu ce râteau phénoménal que j'emporte avec moi depuis 10 ans, et qui m'empêche de rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin, ce qui n'est pas mon cas, mais bref, c'est ça, c'est... bah oui, voilà, on est tous un peu cons, on est tous un peu poilus, on est tous avec des béquilles, mais quand même, on est tous chouettes aussi. Voilà, c'est ce qui fait notre... Notre beauté. Est-ce qu'on peut te voir quelque part sur un site web, quelque chose? Alors j'ai un Facebook qui s'appelle tita.g et puis j'ai un espèce de blog qu'il faudrait que je refasse mieux, mais il y a aussi un tita.g sur Blogspot. D'accord. Où on voit des sténopées aussi, d'autres genres de travaux. Et il faudrait que je fasse ça bien, effectivement. Merci beaucoup, Tita. Merci.